Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre carrière sur MXGP3. On se lance directement, on va voir quelle est la course suivante. On est à Losail au Qatar. Alors au Qatar, ça va être de nuit parce qu'il fait tellement chaud la journée que là-bas on court de nuit. Difficulté réaliste, on change pas, une équipe qui gagne le physique pro, toujours en boîte manuelle, session, on fait que les deux courses. Pas de qualification et pas d'essai. On en a rien à foutre. On est des dingues. Allez, Losail de nuit, vous allez voir. C'est un petit peu particulier. Me semblait-il, on attaquait par Losail sur MXGP2. Bon, écoutez, on va régler notre moto. Puisqu'on a l'habitude de régler notre moto. Et ça marche jusqu'ici plutôt bien. Pour l'instant, 4 courses, 4 premières places. J'ai envie de dire, ça se passe nickel. Allez, on rejoint le circuit. Regardez, de nuit, sous les projecteurs, sous les sunlight. Avec la lune carrément là en face. Et on va voir si on a réussi à avoir un meilleur départ. C'est un peu moins crado. Et on est à l'extérieur donc. Allez, on va se glisser dans la meute comme d'habitude. Oh! Ah! Je me suis fait accrocher au vol. Et bah écoutez, course différente des précédentes. Puisque. On va être à la poursuite de tout le monde. Oh putain, il fallait me mettre dans une boîte là. Allez, on attaque, on attaque. Ah, configuration nettement différente. Où on arrivait à prendre la tête dès le début sur les deux précédents Grand Prix. Là, on est carrément 19e sur 22. Donc il y a du boulot. Hop là, il a rebondi, excuse-moi mon copain, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas cherché à te faire tomber, mais bon. Donc là, c'est vrai que c'est sombre, hein. Il y en a qui vont dire que c'est trop sombre, il y avait beaucoup de reproches sur le jeu à ce propos-là, mais bon, écoutez, c'est une course de nuit, donc moi, quand on me dit c'est sombre, une course de nuit, ça me paraît pas aberrant, voilà. Oula, on est tombé sur Brian Boggers, je crois que c'était. Allez, hop, putain, heureusement qu'on a une moto de fou, parce que... Allez, on est à 10 sur 22. On en a fait un. On est 9 sur 22. On passe à l'intérieur. Peter Petrov. Hop, impeccable. Petrov s'est fait 8 sur 22. On continue. On va pas passer la cinquième. On va rester tranquillement quatrième. On est septième. On s'est bien rattrapé parce qu'on avait vraiment mal attaqué. Mais bon, dès que vous mettez une chute, hein, Jeff est pas du tout aux avant-postes non plus. C'est pas son truc la nuit. Il n'est pas les spécialistes de la nuit. Ah, le réglage des suspensions là que j'ai, il est très nerveux. Vous avez vu comme j'ai rebondi là sur le dernier. Oups. Par contre, elle a un coup. Franchement, elle me fait plaisir cette KTM. Hop là. Là, on repart en quatrième. Un vrai tracteur. Même au niveau du son, franchement, ça le fait plutôt bien là, quand elle en chie un peu. Allez, on est bien, les premiers sont là. Tout de suite, on enchaîne les rapports. Hop là, ça va être chaud. Sander Tankov ou Tank, je sais pas quoi. Allez, c'est la troisième position. Les deux premiers sont juste là. On va tenter de revenir. Oup là, oup là, oup là, oup là. J'ai cru que j'allais sortir de la piste. Mais non, c'est bon. Impeccable, on est bon. Est-ce qu'on va atterrir juste qu'il faut? Maxence T. Juste devant nous. On est bien mieux sur le saut. On reprend beaucoup de chemin. Ouais, de chemin, c'est pas mal. Là, on est carrément instant 5, je vous dis. Un vrai tracteur, 7KT. Hop là, Max, salut, pousse-toi. J'étais un peu gourmand quand même, obligé de repasser le rapport inférieur. Deuxième position, on attaque le dernier tour. Il nous reste un tour pour revenir sur je ne sais pas qui. Ah, j'ai vu apparaître un nom, mais j'ai pas le temps de voir. Je suis concentré sur mon pilotage. Hop là, impeccable. Ah, encore une fois, Paturel peut-être, non? Je sais pas si vous avez vu, vous. Il y a un Benoît quelque chose, il y a Benoît Paturel, mais est-ce qu'éventuellement il y en a un autre, Benoît dans la meute, je sais pas, Benoît Paturel, c'est bien ce que je raconte. Eh, il roule, hein, il roule le français, hop, 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 ça il m'a valé les publicités.
Ah, un petit peu d'opposition en même temps. Eh, difficile de lui revenir dessus, hein, c'est pas évident. Ah, une fois que vous êtes dans l'ornière, là, franchement, ça envoie. Là, on reprend beaucoup de terrain en règle générale. On va essayer de rester sur la piste, pas perdre le contrôle de la bécane. Allez, on va l'attaquer là. En peu de temps, on peut prendre éventuellement l'avantage à l'intérieur. Ah ! Ah là 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 ! Deuxième, ça se joue à pas grand chose, un poil de cul, mais c'est bien, ça fait du challenge. Bien joué, Benoît. Un pilote français, un autre pilote français, et ça se joue à un dixième. Oh là 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 là, 130 millième. Eh bien écoutez, c'est bien, Jeff Herlings de toute façon il est assez loin, il est 6ème, on en garde 7 points d'avance sur lui, en tout cas sur cette course là, c'est plutôt good. Allez, on continue, deuxième course du week-end à Losail, au Qatar, toujours de nuit, on va tenter cette fois-ci, on va tenter de gagner, hein, tout simplement, puisque là on fait 2ème, à peu de choses près, à peu de choses près. Le numéro 73, vous l'aurez peut-être compris pourquoi, je vous laisse deviner tout ça. Allez, de toute façon, hop, putain, allez, barre-toi. Finalement, ça sert à rien d'aller faire le bourrin là-bas. Autant prendre les extérieurs. On va essayer de pas se faire attraper la roue arrière. Par contre, là, ça bataille. Putain, ça joue les coudes. On entend les motos qui se frottent les unes contre les autres. On s'appuie sur Paul Jonas. Allez, un bel intérieur, bien joué ça. Encore une fois, hop, on fait l'intérieur ici, j'ai pas vu le nom. Il nous reste Maxence T, Alvin Ostlund et notre ami, notre éternel rival, Jeff Herlings. Alors Benoît n'est pas aux avant-postes cette fois-ci. C'est les tauliers qui sont à l'avant, Jeff Herlings, le Savoyard. Allez, on appuie sur Jeff, on croise, on décroise. Impeccable, c'est parfait. Hop. Et on reprend l'avantage tranquillement. Ah, par contre, là, on s'est complètement loupé. On n'avait pas du tout de vitesse. On va faire gaffe parce qu'on est complètement à contre-temps. Le premier tour est bouclé. On envoie maintenant du gras, la poignée dans l'angle. Sur ce deuxième tour. Forcément, hop, ça me grattait le front. Pas eu moyen de passer la vitesse. Ah, j'adore quand elle reprend en bas régime comme ça, ce bruit là. Ah merde, je prends une plante de rapport. Je descends à la place de monter. Ça, c'est un peu ballot, surtout dans une descente. Là, je fais l'inverse, je monte et descends. C'est bien, on commence à se déconcentrer. C'est au top, jus. Bien joué, bien joué. On va essayer de pas se déconcentrer. Mine de rien, de tout gérer entre l'embrayage, les freins, l'accélérateur, les rapports, la position du pilote, la direction. Ça commence à faire pas mal de choses à gérer sur la même manette. Et pour mon petit cerveau. Allez, là on est bon, on est impec. On a pris nos repères, on a pris le rythme. Ah, j'adore, je surkiffe le jeu. Quoi qu'on en pense, voilà, moi, c'est une réussite. Il y a quelques bugs encore en multi qu'il va falloir corriger. Hein. Ce bug de caméra où on part pas avec le pilote, la moto part, mais la caméra reste en fait sur la ligne de départ. Bon, ça sera arrangé d'ici là. Mais vraiment, voilà. Par contre, je suis un petit peu déçu dans le sens où, niveau réaliste. Bon, mis à part si je fais une grosse erreur. Il manque un petit peu quand même d'opposition. Voilà. Parce que vous pouvez constater que ça roule souvent en première place. Voilà, ça sera peut-être le seul reproche que, à contrario de jeux comme par exemple Dirt Rally ou même en niveau mini, c'est hyper compliqué. Alors je suis peut-être meilleur pilote motocross que pilote de voiture de rallye. C'est peut-être aussi ça l'explication, mais bon. C'est vrai que. On va se faire la carrière en tout cas, on va essayer de pas de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce qu'on est encore loin d'être champion de MX2 dans la catégorie là.
On va faire gaffe quand même parce que c'est comme avec le Patou que je salue au passage, mon Patou, grosse bise à toi. Avec les vidéos spin tir, en général les quads, oh bah ça va bien, ça roule bien, ça se retourne pas trop. Et là, paf! Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve le nez dans la terre. Là, on voit bien où on passe, hein. Les trajectoires, la trajectoire extérieure, la trajectoire intérieure. Ça c'est vraiment une très très bonne chose. Bon, alors vous pouvez constater que... Ouh putain! Ouh! Ça fait une ornière par rapport à GP2, pardon. Il y a une déformation de la piste. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Hop, on va essayer d'en jeter un petit. Alors, pas un canon, hein, un whip, un scrub. Il y en a qui disent whip et il y en a qui disent scrub. Alors, on va m'expliquer un jour exactement. Tous les spécialistes me rediront tout ça. Et c'est la fin. Youpi, et on balance comme d'habitude le scrub d'arrivée. Regardez si ça dégomme. Là, c'est joli. Et c'est là. On sait pas. On sait pas si c'est la mine. Alors, Benoît Paturel est revenu deuxième. Jeff Erling, c'est vraiment pas son truc. Il est quatrième, il a fait quand même deux places de mieux. Et on fait inversion avec Benoît Paturel. Ex-aequo, 47 points. Alors, pourquoi moi premier et lui deuxième, je sais pas. J'ai la plaque rouge de leader du championnat actuellement. Ça, c'est... Eh ben non, là, je sais pas. Benoît Paturel, 47, là, je me retrouve deuxième. Ou est-ce que c'est le récapitulatif de la deuxième course? J'en sais rien, on s'en fout. De toute façon, ce qui est certain, c'est que normalement, on est, et c'est sûr d'ailleurs, on est en tête du championnat. Ça sera bien pour cette course-là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur MXGP3. Ciao, bye bye!